Aujourd'hui, là, je veux peindre pour moi. Moi, je suis tanné de peindre pour des cours. Je suis tanné de peindre ce qu'on me dit de peindre, ce qu'on me demande. Là, je veux peindre pour moi. Alors ça, c'est pas un cours. Si j'ai envie de faire n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ça me regarde et ça ne me regarde que moi. C'est bon? Aujourd'hui, bien entendu, il y a encore du vent. Il y a toujours du vent ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si on ne va pas peindre dehors quand il y a du vent, ben, on ne peint jamais dehors. La mer est déchaînée, elle est marron quasiment, il y a beaucoup de sable qui est remué. Trois couleurs primaires et du brun, ça devrait suffire. Alors, c'est parti, je me fais d'abord un petit fond. Le pinceau est tellement gros qu'il ne rentre pas dans la... il rentre pas dans le pot d'eau. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un carton ou une... quelque chose de support rigide, parce que là je vois la lumière à travers ma toile, c'est pas l'idéal. Bon, c'est pas grave, et hop, ça c'est fait. Chiffon, chiffon, chiffon. Tiens, voilà, je me suis bien amusé. Comment tu fais pour nettoyer un pinceau quand il ne rentre pas dans le pot, hein? Ouf. Bon, un petit peu, allez. Tiens, tiens, voilà. De la peinture partout. Les joies de la peinture en plein air. Dans pas longtemps, il va y en avoir plein le pantalon. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein, pour une fois que je peux peindre juste pour le plaisir. Hein. Tiens. Allez, hop. C'est parti. Alors, ça ne veut pas dire que parce que j'ai décidé de faire comme ça, j'allais faire un super beau tableau. On va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Hein. Au moins, je le peins avec plaisir. Ah ouais, j'ai oublié l'angle ici, là. Hein. Hey, hey, hey. Ah, faut pas que j'oublie le petit bateau, là aussi. Hein. Bon. Ah, faut que je descende l'horizon. J'ai fait mon ciel beaucoup, beaucoup trop haut, mon horizon trop haut. Alors par contre, ici, le ciel, il est toujours bleu, il y a très rarement des nuages. J'aurais dû prendre un pinceau plus gros. Tiens. Toujours temps de changer. Bon. C'est à peu près à la bonne hauteur. J'ai remonté trop à gauche encore. Hey. Là, là. Il va falloir que j'ajuste mes lunettes. Hein. Ok. Hein. C'est bon. C'est dommage que l'eau soit comme ça aujourd'hui. Hein. Elle est tellement belle des fois quand elle est un petit peu turquoise. Là, là. Je pense que je vais tricher. Ouais, un petit peu, tiens. La vraie couleur aujourd'hui, c'est plus comme ça. J'ai déjà pris des photos où la mer, elle avait 3 ou 4 couleurs différentes. Plus de rouge encore. J'ai un poteau, je vais faire le poteau pour ne pas l'oublier. Là. Il n'est pas loin de l'horizon, il est ici. Hop. Le vent fait bouger. J'en ai même un derrière là-haut. Et ça, c'est bien ça. Ça, ce sont des éléments qui me plaisent. Ça sèche pas. Hein? Tout ça, dans pas longtemps, ça va être tout noir. Hop, j'ai oublié mon bateau ici, zut. Ça va être tout noir, là. Tout foncé, un peu pas noir. On est dans l'ombre, complètement dans l'ombre. Ouais, allez. Donc là, je vais faire la place pour mon bateau. Pour mon bateau. On est de là à là. Il est presque à l'horizon. On part du poteau. J'ai du mal à le tenir. Il y en a un autre ici. Hey, la peinture partout. Ok. Oh, mon flacon est encore parti dans le bleu. Et là. Bon, ben là, c'est vraiment. C'est complètement tombé dedans. On va récupérer quand même la peinture. Hein. Je pense que je vais le mettre ailleurs. Hein.
Si vous aimez la peinture de paysage, je vous offre un cours gratuit de peinture, justement, de paysage facile, qui se déroule sur 6 jours. Vous allez recevoir un email par jour pendant 6 jours. Pour l'obtenir gratuitement, cliquez de suite sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Avant, je grossis un peu ça pour la perspective. Ouais, ouais. Ah. J'ai quand même commencé il n'y a pas longtemps, puis là, la lumière a déjà énormément changé. C'est fou, ça. Ah, oui, oui. Fait qu'il faut que j'enregistre ça dans ma tête tout de suite là. Fait que là, vu que les ombres sont rendues là, je pense que je vais les garder ici. Ça va faire un avant-plan un peu plus sombre. Ça peut être très intéressant aussi. Allez, il faut que je fasse vite, vite, vite mes petits bateaux là-bas. Parce que là, il y a de la lumière dessus, puis il n'y en aura plus pour longtemps. Du coup, le poteau là, il faut que je le déplace. Puis il faudrait que j'essaye de peindre avec plus de rapidité encore. C'est incroyable comme je me fais gagner par le temps, par l'heure, par le soleil qui descend à une vitesse incroyable. C'est fou. Là, je viens de faire une photo qui est pas mal dans le bon cadrage. Le problème, c'est toujours pareil, c'est le stress qui vient prendre le dessus. On n'est plus capable de rien faire quasiment. Où tout ce qu'on fait, c'est moche, c'est pas bien, c'est manqué, c'est trop de précipitation. On est en train de défaire toutes les proportions, toutes les perspectives, parce qu'on n'a pas le temps. Ou bien il faudrait faire comme Monet, là, revenir tous les jours quasiment. Alors les blancs ne sont jamais purs, ça c'est bon, j'aime ça là. Un peu bleuté, un peu mauve, un peu gris, un peu jaune, un peu rose, un peu orangé. Il est vraiment sale là-haut, là, le mur. Hop. C'est toujours pas sec. C'est un bateau plein de cochonneries, ça. Hein? Bon, allez, où c'est que ça brille, où c'est que c'est très foncé? On simplifie. Je suis obligé de simplifier, d'enlever les petites affaires qu'il y a à l'intérieur du bateau. Bon, il y a du monde de près des bateaux. J'espère qu'ils ne vont pas les faire partir. Je ne penserai pas, il y a beaucoup trop de vent. Allez, on va remettre la lumière dans le sable. De l'ombre ici et là, tiens ça ici, une petite ombre là, j'avais oublié. Ok. J'avais un autre bateau, j'ai oublié de le mettre à gauche là pour finir ici. Et même un troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois 7 bateaux là-bas au total. Donc bon, si je les fais tous, je vais y passer la nuit. Hein. On va le remettre un petit peu, voilà. Notre milieu de bateau est à peu près ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas faire du vert, je voulais faire du beige. Ici, j'ai une planche en bois, en fait. Ok, on va mettre la lumière sur le banc. C'est pas un banc, c'est une planche. On essaye de faire fonctionner la perspective. De la forme du bateau sans vraiment mettre de détails ici, on peut pas plus pour l'instant. On va travailler lui, on va passer au petit pinceau dans pas longtemps parce que là je commence à faire, j'ai dit le petit pinceau mais je vais prendre le plus gros pour faire l'ombre ici. Dans les ombres moi je vois beaucoup plus de rosé que de bleu. Voilà, tiens, on va brunir, on va foncer encore un peu les ombres. Ouais. Faire ressortir le bateau ici, le pal. Alors, le fait de la faire un petit peu tordue, ça va aider. Dans un gris peut-être un petit peu bleuté. Alors là, on peut vraiment faire des choses pas droites. Ça rajoutera au côté rustique de la cabane.
Non, ça ne marche pas. Je me plante complètement ici, à la perspective, à vouloir travailler sans modèle. Il faut dire que le bateau est suspendu sur quelque chose là, mais bon, c'est quand même pas une raison. Ok, on va prendre le gros pinceau. Il y a tellement de choses cochonneries là-dedans là. On a du mal à comprendre de quoi il s'agit. On ne sait même pas qu'est-ce que j'ai voulu peindre. Il y a du tissu de toutes les couleurs, il y a de la corde, il y a de tout. Il y a des tubes. On va rajouter une corde ici, ça va peut-être aider à mieux montrer la perspective ici. S'il n'y avait pas ce vent qui fait toujours bouger le bras aussi, ce qu'il y a là, là, c'est pas naturel, tu sais. Ce sont des objets, c'est des cochonneries. Un bateau plein de merde. Essayer de retravailler un petit peu la mer. Ah! Le vent me fait bouger le bras. À chaque fois que je vais faire l'horizon, il y a une rafale de vent. Bon, ben, on aura l'impression qu'il y a des grosses vagues. Ben, en fait, il y a des grosses vagues, c'est ça. Eh oui. Il y a des vagues. Mais c'est pas du tout la couleur de la mer actuellement. D'ailleurs, ce vert ne me plaît pas. On n'en a pas du vert ailleurs dans le tableau. Alors, je vais faire la vraie couleur de la mer. Allez, qui est gris. Gris beige, beaucoup plus pâle. Ouais, mais si elle est trop pâle, elle ne fera pas l'effet que je veux ici. Hein? Près de la maison, là, cabane. Voilà, on va la faire un peu plus dans ces teintes-là. Hi, ça bouge. Ok, on va faire des vagues. Alors, c'est loin, on va juste donner l'impression qu'il y a des vagues, en fait. Le but, c'est bien sûr de foncer ici près du mur. On ne va pas les faire monter trop loin. Ça ne serait pas réaliste. Même ici à gauche. On va regarder ça plus doux. Voilà. Je travaille de mémoire. Ouf. Ça bouge. Très désagréable de peindre sous un tel vent. Hein. J'essaye de faire des nettetés, des fondus selon les endroits. C'est le fameux travail des contours, plus net, plus fondu, ben là. Hein? Faut que je recule. C'est assez insatisfaisant. C'est assez lumineux dans l'ensemble. Hein? Plus lumineux, plus lumineux, moins lumineux. Là, c'est sûr qu'elle descend un peu dans le creux. Ouais. En fait, c'est ça. C'est parce que le sol n'est pas plat. Fait qu'on a l'impression qu'elle n'est pas en perspective. Parce que ce mur, il est beaucoup plus haut que celui-là. Voilà. Donc, on a l'impression que ce n'est pas en perspective. Mais c'est en perspective, mais c'est le sol qui n'est pas plat. Oups. Trop bleu, trop rouge. On va le montrer que le sol n'est pas plat. En faisant des petites choses comme ça, de la moins lisse, moins uni. De toute façon, il y a bien des petites cochonneries par terre aussi. Partout ici aussi. Je pense que c'est pas mal là-dessus que je vais terminer. Je dois ranger un peu le tuyau ici. Depuis que je suis ici, personne n'est passé à côté. Personne. Il n'y a pas une seule personne qui est passée. Qu'est-ce que tu en penses? J'arrête là ou oui? Celui-là, là? Gracias. Sí, sí, por supuesto. Está bonito. Oh. Las lanchas de mi padre, mi papá. Ah, ok. Él duerme allí, la casita, a vigilar las lanchas. Ok. Sí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Il est venu voir ses bateaux, quoi. Et voilà comment on devient un peintre célèbre au Mexique. C'est ça. C'est le premier de la journée qui est passé par là. On achève là. C'est les dernières.
Dernière retouche avant que la nuit tombe. Ah, trop pâle. Trop bleu, si je voulais y aller, voilà. Si, un petit peu des reflets là-dedans. Là. On va créer des contrastes un petit peu. L'interprétation prend le dessus sur la réalité, parce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, ça marche pas quand on le regarde. Ça sera pas sec dans une semaine. C'est de l'acrylique. Il faudrait laisser dehors le tableau, qu'il sèche bien. Ah, j'ai oublié de mettre des oiseaux dans le tableau. C'est comme un pélican. Hop, trop tard. On arrête tout là? Je ne suis pas trop sali. Il y a toujours quelque chose, hein? C'est juste avant. Comme ça, ici, il est trop comme un rond avec deux chaînes. Attends. Hey. En fait, en vérité, il ne faut pas que je suive le vrai. Parce qu'il est tellement plein de petites choses, ce bateau-là, plein de cochonneries, qu'on ne le comprend pas si je le fais, tu comprends? Ok, je touche plus. Voilà, je me suis bien amusé. Au moins, j'ai peint comme j'ai voulu cette fois-ci, sans avoir une technique particulière à suivre. J'ai mélangé plusieurs techniques là-dedans. Je me suis laissé aller avec la peinture Golden Open que j'ai apportée ici en pensant que la peinture acrylique sècherait beaucoup trop vite. Mais finalement, ça n'aurait pas été le cas parce que la Golden Open ne sèche pas assez vite. C'est pas du tout la... Une mouche sur les lunettes. C'est pas du tout la peinture qui me plaît ici. Là. Tu sais, j'aurais préféré même peindre à l'huile à ce moment-là. Ça aurait été peut-être mieux, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait mon tableau comme je voulais. J'ai pris du plaisir. Alors, si vous voulez aussi vous prendre du plaisir, si vous voulez vous améliorer en peinture, surtout améliorer vos peintures de paysage, regardez cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment finir vos paysages en beauté, comment améliorer vos paysages à la fin du processus.